Salut tout le monde, c'est Didin Walker, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes le mardi 10 janvier, c'est l'ouverture officiellement des soldes d'hiver. Donc là je me trouve sur la commune de... je suis à Carré-Sénart pour ceux qui connaissent, hein. C'est entre le 77 et le 91 mais je crois que c'est le 77 si je vous dis pas de bêtises. Donc là je suis devant le Cultura qui est juste derrière. Du coup là on va commencer, le Cultura il est... Cultura. Donc du coup... on va voir si vous trouvez de bonnes petites choses. Mais vous savez qu'en tant que soldat, je pars pas à la guerre tout seul. Je préfère emmener un soldat avec moi. Et du coup, le soldat avec qui je suis venu. Salut tout le monde, j'espère que vous avez trouvé des bonnes soldes. Nous, on est au taquet. Voilà, c'est Mister Enogame, les amis. Donc voilà, du coup, en espérant qu'on trouve de bonnes petites choses. Donc moi, les amis, je vous dis à tout de suite. Salut tout le monde, c'est Didin Walker. J'espère que vous allez bien. Bon, pour l'instant, j'ai pas accès. Vas-y, prends un rendez-vous. Tiens. Ah, ça c'est fait. Vas-y. One Piece, ça t'intéresse? Oh, vas-y, prends, ouais. Je regarderai après parce que je peux pas regarder en fait. Ouais, c'est gentil. C'est derrière un bar. Ouais, mais je peux pas y aller, c'est impossible. Je peux pas. Ah. Tiens, prends ça. Voilà. Non, j'ai pas un autre. Hein? Non, prends un autre. Ouais. Pardon. Voilà. Je vois pas de ça. Vas-y, prends. Vas-y. Bah, j'ai pas pu en fait trop. Oh, celui-là, je voulais. Tiens. On attend les soldes. Ah, excusez-moi. Pareil, c'est pas bien celui-là. Ah, celui-là, non, je suis pas. Il est propre, de toute façon, ça fait 25. Ouais. Bon, les amis, c'était la guerre de ouf.
On a réussi à retirer quelques petits jeux. On va regarder, on va faire un peu le tri là, je suis avec le copain. Mais franchement, vous avez pu voir, hein, j'ai pas pu mettre les mains, c'était juste, ouais, juste horrible. Il y avait horrible. Beaucoup de monde et c'était pas dingue non plus. Ouais. Il n'y a pas des titres accrocheurs. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on a pu prendre et puis on va regarder ce qu'on garde et ce qu'on garde pas. Bon, du coup les amis, ça y est, on ressort avec le copain Eno. De toute façon, vous avez pu voir dans les images, franchement, c'était la guerre, hein. Littéralement. Le pauvre, lui, filmait. Moi, j'ai essayé de passer un bras entre deux mecs un peu costauds, donc c'était compliqué. Franchement, c'était super compliqué. Bon, on a pu quand même sortir des petites choses, mais bon, il y avait, bon, bah, malgré tout, on s'y attendait, hein. Il y avait quand même de la concurrence, donc bah, c'est comme ça, hein. C'est ça. J'ai envie de dire, c'est le jeu. Voilà, on a pu quand même voilà, sortir des petites choses. Alors, c'est pas fameux, hein. Je veux dire, ne vous attendez pas à du triple A ou tout ce que vous voulez. Mais voilà, en tout cas, on a pu quand même choper des petites choses. De toute façon, on vous fera je pense qu'on vous fera un mini compte-rendu avec avec le copain en vous montrant ce qu'on a trouvé. Donc là maintenant, on va se diriger directement à Carrefour pour ensuite faire la Fnac et je crois pour terminer par Micromania. Donc voilà, donc là on a commencé par Cultura. Donc maintenant, direction Carrefour les amis. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, là maintenant, on est dans Carré Sénart. Du coup, là, on se dirige au Carrefour. Bon, de toute façon, concrètement, on passe après la guerre, hein, vu que les deux magasins ouvraient à 9h. Donc là, du coup, on va voir au Carrefour, on verra bien. Alors, on y, au moins, là, comme tu as dit, la pression est tombée, on y va en mode tranquille. Voilà, c'est ça. Ça a été la guerre, du coup, au Cultura, là. Mais là, du coup, au Carrefour, on va y aller vraiment en mode tranquille. Donc les amis, on se retrouve juste devant le bac de promo. Allez, à tout de suite. On arrive après la guerre. On va voir ce qu'il y a. Merde. Toutes les baïonnettes à 30 balles, ils sont tous là. Ils sont restés. Ah ouais, bah ouais, tu m'étonnes. Tout ça, c'est plus du baïonnette. Hein. Ça t'intéresse, hein? Je vais m'en prendre un, je pense. Non. J'en ai pris deux, moi. Un petit porte-manette à 8 euros, les amis. Oh, il y a un Vador aussi. Ouais, mais ça doit pas être le même tarif. Il est à combien? 7 euros. 7 euros le Vador. Allez, je vais prendre ça. Non, pas tout de suite, excusez-moi, merci. Bon, les amis, il y a des cartes Pokémon, il y a des decks à 11 euros. Ça vaut le coup, ça fait le prix de
Ça fait le prix de même pas de deux boosters. €11 chez Carrefour, ça peut être intéressant. Bon, comme convenu, Carrefour, c'est la guerre, hein. c'est la guerre. Du coup, j'ai chopé qu'un seul jeu à Carrefour, mais du coup, c'est pas grave. Là, on va se préparer pour aller faire la Fnac pour finir, et après on a Micromania. Donc, du coup, là, on va payer ce qu'on a chopé. Et on se retrouve à la Fnac, les amis. Allez, à tout de suite. Bon, du coup, les amis, je suis avec Eno qui est juste derrière. On est devant devant la Fnac, si vous avez vu. On attend. Il y a deux personnes avec nous. Je pense qu'on aura plus d'ici un quart d'heure. Donc voilà, on verra. On attend l'ouverture et en espérant qu'on trouve de bonnes petites choses. Allez, à tout de suite, les amis. Vas-y, mon Speedy Gonzalez. Je suis content sur toi. Ah, je veux bien celui-là. Hop. Ça va être de ouf. Oh là là. Ah oui, merci, je te remercie. Hop. Bon, ça a été la guerre, du coup on a mis quelques trucs de côté là. On est en train de trier avec le copain, mais c'est la folie. Hein. C'était la folie, les amis. Vous voyez ça, ce que vous pouvez trouver un peu chez la Fnac. Il y a du, là vous verrez mieux, Baldo à moins 50, Bravely Défaut, Fist. Toi aussi t'as pris le. Bah c'est lui qui l'a pris, ouais. Le Valkyrie, je le voulais, ouais. Ouais Valkyrie. Là je suis vraiment content. Mais par contre, j'ai pas. Ouais, c'est ça. On est pas bien là. Là, la pression est retombée, on est en mode tranquille. C'est... Ah, franchement, ça aurait été une matinée de ouf, les amis. De toute façon, vous avez pu voir à travers les images. Hein, c'est... Ça commence à 9h, il est 10h30, ça y est. Ouais, on est rincé. Mais en plus, du coup, c'était. En fait, les gens, c'était trop. Bah, vous avez pu voir hein, à travers les images, hein, je vous cache rien. C'était la guerre, quoi. Ouais. J'ai rarement pu m'infiltrer. Mais par contre, je dois le souligner. Et d'ailleurs, si les personnes passent par là, on sait jamais. En tout cas, merci à vous parce que franchement, on est tombé sur des gars. Gérer des perles, faut dire ce qu'il y a, hein. Franchement les mecs ils étaient super top, on s'est mis tous dans un coin, on a tous posé par terre, on était là, ouais ça t'intéresse, tiens moi j'ai celui-là, etc. Et franchement c'était super cool, je dirais même bon enfant, on va dire ça comme ça.
Donc franchement, de la bienveillance, quoi. Ouais, franchement, c'était top. Ouais. C'est pas tout le temps. C'est même l'une des premières fois où c'est comme ça. Mais voilà, donc là du coup maintenant on va se diriger à Micromania pour finir. Bon, Micromania, vous avez déjà vu moi sur ma chaîne, j'ai déjà fait une petite vidéo, j'ai déjà fait quelques petites enquêtes. Oui, mais... on y va à l'histoire de finir la balade quoi, en mode tranquille. Mais voilà, mais sait-on jamais, il y aura peut-être des petites choses intéressantes. Donc les amis, je vous dis à tout de suite. Voilà, du coup on a deux jeux pour 10€. PS4, Xbox One, il faut que le jeu soit en dessous de 9,99€. C'est souvent dans des bacs avec la petite étiquette là. Là il y a celui-là qui peut être intéressant, qui fait à 5€. Celui-là, Black Sad aussi. Le petit Dissidia, 99, ça peut être intéressant. Le petit Immortal Phoenix à 5 balles aussi. Bon, les amis, ça y est, on se retrouve pour le compte-rendu donc de ces soldes que j'ai pu faire en compagnie de monsieur Hey No Game. Donc voilà, du coup, on a commencé par Cultura, vous avez pu voir. Cultura, Carrefour. Et on a fini par Fnac et... du moins, on a fait Fnac et Micromania pour finir. C'est ça.
Alors, clairement, je veux tuer le suspense tout de suite, hein. Je veux quand même le tuer. Attends, tu peux quand même dire qu'il y a un beau cadre derrière, regarde. Oh putain, il me coupe pour le cadre, ouais. Donc, ah, d'accord, c'est beau. Non, c'est beau, faut le dire. On est à Carré Sénard 7-7 pour ceux qui connaissent. Du coup, voilà, comme je dis, pour tuer un peu le truc, c'est clairement pas les meilleurs soldes que j'ai pu faire depuis ces dernières années. De toute façon, d'année en année, ça devient très très compliqué. Cependant, je tiens à le préciser encore une fois, je le redis, surtout à la Fnac, on est tombé sur des gars, bah, d'ailleurs, qu'on avait croisé aussi à Cultura et tout. Ouais. Mais franchement, les mecs ont été super cool. À un moment, on s'est posé dans un coin, on a un peu trié les jeux. Tiens, t'as celui-là, moi j'ai pas celui-là, etc. Mm. Franchement, c'était, on va dire, bon enfant. Je peux dire ça comme ça. Ouais, c'était franchement de la bienveillance. C'était voilà. Un bon moment de partage. Voilà, franchement, c'était cool. Voilà, ils ont pas, ça a pas fait des crevards ou quoi que ce soit. Franchement, c'était top. Donc du coup, bah, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc pour ma part, je vais commencer avec Cultura, où j'ai trouvé trois petits jeux. D'ailleurs, merci à Romain d'avoir pu mettre son bras parmi les autres, parce que franchement, moi, je filmais, j'étais en galère, c'était très très compliqué. Mais du coup, qu'est-ce que j'ai pu trouver? Alors, vous allez voir, c'est pas non plus des trucs de fou, mais bon, quand même content. Donc, alors, le jeu était à 40 euros, moins 50%. J'ai pu rentrer le Star Ocean The Divine Force. Et du coup, franchement, c'est cool parce que il y a une upgrade PS5. Donc, franchement, ça, c'est top. Franchement, ça fait super plaisir. Comme ça, j'ai la version PS4 et la version PS5 à la fois. Donc, voilà, très très content. Donc, moins 50 de 39,99€. Je vous laisse faire le calcul. On enchaîne avec, ça c'est le jeu que le copain a pu choper, en plus il est en français, donc c'est cool parce que j'ai déjà vu chez Micromania, mais on l'avait encore tout à l'heure, mais pas en français. Ouais. C'est le Atelier Sophie 2, voilà, à moins 50% de, pareil, de 39,99€. Donc voilà, franchement, petit RPG qui fait plaisir, hein, comme Star Ocean The Divine Force. Mmh. Franchement, très très content. Et là, franchement, il y en avait deux. Il y en a un qui a pu l'avoir sur PS4, moi sur Switch. C'est une totale découverte, je connais pas ce jeu. Il s'appelle The Somnium File, si je prononce bien. Moins 50 de, pareil, 39,99€. Donc voilà, en gros, pour arrondir, ça m'a fait du 20€ le jeu. Donc voilà, du coup, première sortie, 60€ chez Fnac pour ces trois jeux-là. Alors pareil, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Vous allez peut-être me dire que c'est cher, mais... je trouve, hein, pour faire un globalement, avec les achats que j'ai pu faire chez Micromania et là ce que j'ai pu faire en boutique, en moyenne, j'ai bien en moyenne, le jeu c'est 20€ le jeu soldé. Ouais. Voilà, c'est pas, on préfère en dessous, mais bon, c'est comme ça. Du coup, on va enchaîner avec, je vais faire Carrefour dans un premier temps. Donc à Carrefour, vous avez pu voir, c'était la guerre aussi, pareil. On est arrivé après la guerre, clairement, mais il y avait quand même du monde. J'ai pu trouver un jeu et un accessoire. On va commencer par l'accessoire qui est plutôt cool. Voilà, j'ai trouvé un port un support manette. Support manette, ouais. Voilà, Spider-Man, voilà, à 8€ au lieu de 24, je crois. Au lieu de 24. Ça se prend. Voilà, franchement, pour 8€, bah j'ai pris. Le prix qui est devant, regarde. Ah oui, voilà ça, 24,95€ et là du coup 8€. Donc franchement, ça fait plaisir, un petit port manette qui rentre dans la collection. Il est vraiment beau, hein, franchement, il a... Ouais, bah c'est Spider-Man, voilà, ouais. Pour ceux qui aiment Marvel et ce qui s'ensuit, hein. Franchement, ça fait plaisir. Et du coup, le seul jeu que j'ai pu rentrer, c'est un jeu Xbox Series X. Mm. C'est le Siberia 20e anniversaire. 20e anniversaire, ça ouais. 20e édition, ouais. Voilà. Donc je sais pas c'est quoi comme type de jeu dans le commentaire, n'hésitez pas à me dire. Mais c'est celui pour moi qui sortait un petit peu du lot de ce qui restait chez Carrefour. Le four a l'air sympa en plus. Donc voilà, l'édition a l'air plutôt cool. Donc voilà, pour 12€, apparemment son prix de base c'était 49,95€. Donc là 12€, franchement j'ai pris, comme diraient certaines personnes, ça mange pas de pain. Et là on va enchaîner avec du coup... merde, comment ça s'appelle? Avec Fnac, si je vais y arriver. Donc du coup à Fnac, pareil, c'était pas non plus la folie, mais encore une fois, je remercie le copain et puis je remercie aussi si les personnes passent par là, ceux qui étaient avec nous, parce que là les jeux que je vous présentais, c'est clairement les gens qui les avaient pris qui me les ont passés. Ouais. On en gardait pour eux et qui m'ont laissé. Donc on a fait un vrai partage de toute façon, c'était vraiment. Ouais, franchement, j'ai vraiment aimé le moment. Ouais. Ça s'est fait naturellement en fait. Ouais, c'est ça. On a en fait, oula, une alarme qui sonne. En fait, on a clairement tout posé au sol.
Alors les gars, vous avez trouvé quoi? Bah moi j'ai ça, tiens. Et franchement, c'était super cool. Ouais. Alors je pense que dans tout le lot, il y a une pépite. Vous allez voir, parce que le jeu, il est clairement pas connu. Et je crois d'ailleurs, c'est le copain m'a fait la réflexion. Ouais. Il y a le copain RPG qui l'avait acheté, ça, apparemment. Alors, il me semble que c'est RPG, mais en tout cas, j'ai vu sur une vidéo YouTube. Bon, RPG, si tu passes par là. Tu confirmes si c'est toi ou pas, je ne sais plus. Il me semble que c'était toi. Mais en tout cas, oui, ça avait été dit comme quoi c'était une future pépite. Voilà, donc confirme si tu passes par là, copain, tu me diras. Alors du coup, alors je vous dis les prix, hein, je crois. Alors, de toute façon, je vous dis le prix de base. Là, donc, j'ai pu avoir le Guilty Gear, donc à moins 80%. Celui-là. Voilà, petit jeu de combat. Du coup, il était à 40, ça nous l'a fait à 8€, je crois. Voilà, c'est ça. Ouais, je vais y arriver, excusez-moi. Il était à 40€. Et du coup, voilà, donc moins 80%, faites le calcul, mais c'était voilà, 8€ le petit jeu PS5, donc franchement, ça fait plaisir. Ensuite, un que je voulais, que j'avais vu dans les vidéos, je crois, de Jocink et Erekiel, si je dis pas de bêtises, je l'avais vu dans l'une de leurs vidéos de short. Donc pareil, si vous passez par là, les copains, bah, dédicace à vous. Du coup, je voulais le choper, un jeu de Square Enix, avec une petite upgrade PS5, donc ça fait plaisir. C'est le Valkyrie Elysium à moins 50%, donc de 39€. Donc ça revient à ce que je disais, une moyenne de 20€ le jeu. Mais franchement, très très content. Puis il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires, donc franchement, c'est cool. Ensuite, pareil, un jeu, ça va être une découverte. Il était à moins 60% de 34,99€. Il est passé à 13€ à peu près. 13€. Ouais. C'est le Soul Hacker 2, voilà, sur PS4. Toujours pareil, avec une upgrade PS5, donc franchement, c'est top. Donc maintenant, je sais pas si ça va me plaire, ça sera une totale découverte. Et comme je dis, si dans le cas où ça me plaît pas, les jeux qui me plaisent pas, je les revends. Je m'en fous, c'est comme ça. Mais voilà, donc franchement, très très content. Et du coup, je pense que là, ce qui est la petite pépite, alors je sais pas quel type de jeu exactement c'est une Deluxe Edition. Alors je vais relire le titre avant de vous le dire. C'est le Yomawari Lost in the Dark. Le Yomawari Lost in the Dark, voilà, à moins 50. Et il était à 29,99€. Donc voilà, je vais faire le calcul, hein, c'est vite vu. Hein. 30€, en gros, moins 50%. Voilà, ça fait une quinzaine d'euros. Et a priori, celui-là, ça serait une petite pépite. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Franchement, c'est le jeu pour moi qui sortait du lot dans les bacs. Même ceux qui étaient avec nous ont confirmé. Ont confirmé, donc... Donc voilà, donc il n'y avait pas beaucoup d'exemplaires, je crois qu'il devait en avoir 3 ou... Même pas, honnêtement, j'en ai vu un sur Switch et un sur Switch, PS4. Non, deux sur PS4, s'il en a gardé un. Deux sur PS4 et un sur Switch. Deux sur PS4 et un sur Switch, donc franchement, voilà, plutôt content. C'était compliqué quand même. Hein. Mais c'était très compliqué. Et du coup, alors là, je finis avec Micromania. On a été, donc j'ai rien acheté en neuf, là, chez eux, aujourd'hui, pour le jour des soldes. Mais j'ai acheté deux petits jeux d'occasion, donc il y avait une offre, deux jeux... Pour 10€, il m'y fallait que les jeux ne dépassent pas 9,99€. Vous connaissez pour certains. D'ailleurs, dédicace à Ghost Player qui, je sais qu'il va souvent à Micromania. Donc, si tu passes par là, copain, bah, dédicace à toi. Et du coup, donc, j'ai pris un jeu que je voulais me prendre vu qu'en ce moment, je suis à fond sur les Final Fantasy, surtout sur le Final Fantasy VII Remake. Et ben, du coup, je me suis pris le petit Dissidia, voilà, à 9,99€. Mais du coup, vu que j'ai pris un deuxième jeu, ça me l'a fait en gros à 5€. Et en fait, voilà, en gros, c'est un jeu de combat avec les persos de l'univers de Final Fantasy. Donc, hâte de pouvoir tester ça, sachant qu'en ce moment, je suis plutôt à fond sur la licence. Donc, très très content. Et l'autre, je pense que je l'ai, mais si je l'ai déjà, c'est pas grave, je le passerai à quelqu'un ou autre, on verra. J'ai pris le petit Arslan, mais il me semble que je l'ai. Donc, bon. Donc, voilà, donc du coup, les deux jeux pour... Pour 10€. Excusez-moi, pour 10€. Donc voilà, moi en tout cas, pour moi, ça s'arrête là pour la matinée solde. Maintenant, je vais laisser le copain présenter ce qu'il a trouvé. Ouais. Alors, du coup, moi, bah, premier magasin, comme l'a dit le copain, on a commencé par Cultura. Pourquoi ? Ça a été une décision par rapport aux dernières soldes. C'est vrai qu'en juillet... entre les Bethesda, les Xenoblade, à un prix plus qu'intéressant. À titre de comparaison, à Cultura, sur juillet dernier, sur les soldes, c'est en juillet, hein, ouais. On était à entre 15 et 18 euros sur le Bayonetta, pardon. Et, j'ai essayé de dire. Ouais. Et par contre, aujourd'hui, on l'a revu à Carrefour, il était à 30 euros. Vous voyez, il y a quand même le double. Bon, c'est pour ça que Cultura, ça a été un peu le coup de cœur par rapport aux dernières soldes et on a retenté. De toute façon, il fallait faire un choix. De toute façon, les magasins ouvrent en même temps. Donc, le premier choix était décisif. Ouais. On a loupé certainement des choses à Carrefour. Mais on aurait été à Carrefour, on n'aurait peut-être pas pu avoir ce qu'on a eu à Cultura. Donc, dans tous les cas, il faut faire un choix et on l'a fait, il a décidé et puis voilà quoi. Donc,
Alors du coup, pour une quinzaine d'euros, je rends le Gungrave Gore, du coup l'édition One, la Day One édition sur PS4. Voilà, l'avantage c'est qu'il y a aussi la mise à jour disponible PS5. Donc voilà, pour une quinzaine d'euros, honnêtement, ça reste un très bon tarif. C'est un jeu que je voulais rentrer. Je le cherchais de base en boîte PS5, mais voilà, il a la mise à jour PS5, donc ça fera largement l'affaire. C'est un petit plus, en moins on peut y jouer sur les deux supports. Oui, voilà. Sur la PS4 et sur la PS5. Ça. Alors lui, c'est un jeu que j'avais bien aimé, on l'avait acheté ensemble. C'est ça. Je l'ai revendu parce que, bon, honnêtement, j'y jouais pas trop, mais de temps en temps, faire une partie ou deux, ça reste marrant. Donc là, il est annoncé à 30€, pareil que l'autre, moins 50, donc pour une quinzaine d'euros, voilà, je rentre le petit Evil Dead sur PS5, voilà, donc hein, c'est pareil, hein, 29,99€ avec le 50%. On est sur du 15€, je les ai eu à 30€, enfin voilà, les deux pour 30€, je trouvais que ça restait un très bon prix. Donc ça, c'était vraiment la partie Cultura, moi j'en ai pris que deux pour le coup. Après, on est passé à... On a fait Carrefour d'abord, et après on a fait Fnac. Carrefour, moi j'ai pris que deux goodies, on va dire. J'ai pris deux supports manettes, donc annoncé à 8€, comme le copain, forcément, j'ai pris le petit Spider-Man. Voilà. Donc il en restait encore 3-4 quand on est passé à 9h30. Ouais, voilà. Mais je pense que ça va partir. Oui, ça va partir, ouais. Donc voilà, 8€, ça se prenait. C'est ça. Et du coup, le copain là, c'est lui qui me l'avait trouvé. C'est ça. Pour 7€ au lieu de 25€, le petit Dark Vador, pareil en support manette. Donc honnêtement, même vous voyez, mettre le téléphone, ça peut être un plus. Je sais pas. Je verrai comment je vais le mettre, mais ouais, carrément, même pour faire les vidéos et tout, tu mets poses ton téléphone. Et franchement, c'est cool, hein. Non, franchement, c'est. Voilà. Hop. Deux petits supports manettes. Ça a été mes seuls achats Carrefour. Ça a été un peu le coin goodies. Et enfin, du coup, sur la Fnac, pour 8€ aussi, du coup, ce qui est moins 80%, je rentre le petit Guilty Gear, voilà, sur PS5. Ça c'est good. Bah, honnêtement, ouais, non, prix, c'est cadeau, hein. Ça reste un prix sympathique, ouais. Là pour le coup, 80%, là c'est des soldes. Voilà. Je remercie le copain qui m'a trouvé les petits Tortues Ninja à moins 60%. Sur PS4, il était à 30€. Je vous laisserai faire le calcul. Donc 60% de 30€. Je trouvais que ça restait quand même correct. Bah correct. Et puis bon, ça reste une belle licence à avoir. Et je rajoute juste, à charge de revanche, je lui ai laissé le Tortue Ninja parce que c'est le copain qui m'a laissé le Atelier Risa, vu qu'il sait que j'aime bien ce style de jeu-là. Donc du coup, je l'ai laissé volontiers. Il y a pas de problème. En fait, on s'est même pas vraiment concerté. Ça a été en mode tu prends le. On sait un peu les préférences de l'un ou de l'autre. C'est ça. Et voilà. Et du coup, comme le copain, moi j'ai gardé le Yomarui, du coup l'édition deluxe sur Switch. Voilà. Donc c'est un jeu à faire dans le lit, je pense. Je sais pas encore vraiment ce que ça donne. Alors par contre, moi, il est un peu plus cher. L'édition est à 50€. Donc 50% de 50€, ça fait du 25, hein, 25€. Voilà. Bon, je pense que ça reste un très bon prix et à voir ce que ça donne. Et je vais dire, regardez juste, parce que moi, malgré tout, c'est ce que j'ai fait. Regardez juste sur Amazon le prix. Voir sur Amazon, regardez le prix que ça vaut sur Amazon. Bah, on est à 57€. Ouais, c'est ça. Un truc on est presque à 60€. Donc là, le rentrer à 25, je pense que c'est un petit coup de fusil quand même, tu vois. C'est agréable. Et puis ouais, c'est pas commun. C'est le genre de jeu qu'on voit pas forcément dans les bacs. Donc voilà. Donc voilà. Bon, c'était le tour. Après, bon, à Micromania, c'est deux jeux que j'avais déjà fait. Comme l'a dit le copain, il y avait une offre, un jeu acheté, en gros, un jeu offert si le jeu était à 10€. C'est ça. Voilà. Donc, je me suis repris les deux petits. Alors, du coup, il y a L'Ombre de la Guerre et L'Ombre du Mordor. Je pense L'Ombre du Mordor. Voilà. C'était. J'avais envie de me les refaire. Je les avais plus dans la collecte. Et là, bon, bah, les deux pour 10€, ça se prenait. Donc, ça, c'était la petite fin chez Micromania. C'était le petit plus. Voilà. C'est pas énorme, mais bon, ça fait un petit tour. Voilà, en moins, on a passé une bonne petite matinée. C'est pas fini parce que là, au moment où on tourne le compte rendu, il est grosso modo 11h30. Il est 11h26. Exactement. Il est 11h26. C'est bientôt l'heure de manger. On s'est prévu un petit buffet à volonté. On va se régaler, les amis. Je pense que les pauvres ne sont pas prêts. On risque de sortir plein. C'est ça, exactement. Donc, les amis, sur ce, nous on vous dit ciao. Et puis on s'en va vers l'horizon. Allez, ciao, ciao, ciao les amis. Salut tout le monde.